Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Israel Assassin, turn up, come please. Israel Assassin, Trudeau, come please. Israel Assassin, Trudeau, come please. Israel Assassin, Trudeau, come please. Bienvenue, welcome. My name is Mustafa from Tudamin. And we're here today on March 30th because it marks the 40th anniversary of Land Day in Palestine. A day where in 1976 Palestinian demonstrators were killed demonstrating for their rights to their land, to end Israeli occupation and colonialism. And today, 40 years after that day, Israeli apartheid and occupation has only become worse. Every day, settlers encroach on Palestinian lands, and when Palestinians rise up, even in popular protests and peaceful demonstrations and all forms of resistance, it's only been met with worse and worse repression that we see across the West Bank. Recently, a video was shown of a young boy being shot by an Israeli soldier while he was already wounded on the ground in Khalil. And for demonstrating for their land rights to live on their indigenous lands with the right of return, with the right to the end of the occupation, and an end to discrimination of Palestinians inside the State of Israel, to demand simply full equality and their rights under international law. Instead of being met with support by our own government, the Canadian government instead imposes a draconian measure to denounce any attempt from civil society, from different organizations, from people to stand with the Palestinian people and instead denounce any group taking measures to call for a boycott, divestment, and sanctions until Israel meets its obligations under international law and end Israeli apartheid. This is the response by the Canadian government. Shame on Trudeau! Shame! So this is why, on this Land Day, we're here to say that we won't be silenced by the Canadian government's attempt to denounce those who stand up for Palestinian rights, for those who stand up for human rights internationally, but instead, we'll advance our movement for boycott, divestment, and sanctions even further until Palestine is free, until apartheid falls. We will not stop, no matter what decision is made by the Canadian government and under Trudeau. Viva, viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Alors bonjour! Est-ce que vous m'entendez partout, tout le monde? Oui! Alors, on est ici aujourd'hui, le 30 mars, journée pour commémorer, journée de la Terre, en fait. C'est une journée qui commémore un massacre qui a eu lieu en 1976, où six jeunes citoyens palestiniens d'Israël ont été abattus par les forces armées militaires israéliennes. Ce genre de tuerie, lorsque des gens manifestent, c'est régulier en Palestine et aux mains des forces israéliennes. Ça fait plusieurs années, 67 ans, on est 68 même déjà, années depuis l'occupation.
et devant l'inaction de la communauté internationale, la société civile palestinienne, en 2004-2005, fait l'appel pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre le régime d'apartheid israélien. C'est notre devoir, en tant que citoyens et citoyennes, ici au Québec, de répondre à cet appel de la société civile et d'appuyer le mouvement de boycott contre un régime brutal qui terrorise les Palestiniens et Palestiniennes quotidiennement. Le mouvement de boycott a trois demandes principales, trois revendications principales. La fin de la colonialisation et de l'occupation de la Palestine est la première revendication. La deuxième, le démantèlement du mur, le mur d'apartheid, le mur de ségrégation qui divise les Palestiniens de leur propre terre et de leur propre communauté. Le droit de retour est le droit principal aussi de tous citoyens et citoyennes de retourner sur les terres sur lesquelles, desquelles ils viennent et de, sur lesquelles ils sont nés. Le troisième? Ces revendications-là sont importantes. Elles sont indissociables l'une de l'autre. La dernière, je voulais mentionner aussi, revendication, c'est les droits égaux pour tous les Palestiniens et Palestiniennes, même à l'intérieur d'Israël, qui sont traités en ce moment comme citoyens de seconde classe. Ce sont les revendications du mouvement PDS, ce sont les revendications que nous devons porter ici aussi, au sein de nos instances, au sein de nos organisations, dans la rue ici aussi, aujourd'hui. Puis les politiciens comme Trudeau, puis comme les autres conservateurs qui sont contre le mouvement de boycott, on leur dit « PDS est irréversible. Nous allons mettre fin au régime d'apartheid israélien. Plus jamais! Vive la Palestine libre! La Palestine vivra! La Palestine vaincra! La Palestine vivra! La Palestine vaincra! » Conseil régional de la FTQ, s'il a envie de dire quelques mots. Merci. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir encore une fois de prendre la parole dans un événement qui manifeste notre appui, bien sûr, au peuple palestinien. Mon nom c'est Marc-Édouard Joubert, je suis représentant du conseil régional FTQ du Montréal métropolitain et la raison pour laquelle j'ai encore une fois accepté de me joindre à cette petite rencontre, c'est que je crois fermement que la cause pour laquelle nous sommes ici présents ce midi est une cause juste. Et je pense, et personnellement, que tant que le peuple palestinien sera brimé, bien nos voix doivent être entendues en tant que citoyens libres du monde. C'est normal de souhaiter que le peuple palestinien soit lui aussi libre de l'appropriation et en fait de la politique d'apartheid et de colonisation de l'État israélien. Je crois que c'est un devoir moral que nous avons de rester actifs, de continuer à parler et de continuer à décrier les injustices actuelles. Tantôt, Sabine mentionnait que depuis 1967, le peuple palestinien, en fait, est en train de se faire désapproprier son territoire, voler ses terres, et ça m'a fait sourire parce qu'en même temps, je trouve ça extrêmement triste. Moi, je suis né en 1967, je suis un homme de 49 ans. Ça veut dire que ça fait 49 ans que le peuple palestinien se fait voler des terres
voler des ressources, voler de l'eau. Et tant que cette appropriation se perpétuera, bien notre résistance continuera. Et ce que je veux mentionner également, pour moi, c'est absolument innommable que dans un pays comme celui du Canada, le gouvernement s'interpose dans un débat politique et empêche les gens qui veulent manifester ou condamner les politiques d'apartheid de pouvoir s'exprimer. Comme vous le savez, le mois dernier, bien, c'est 209 députés qui ont voté une motion de blâme contre BDS. Et ce que j'aimerais dire à tous ceux qui sont actifs dans le mouvement de résistance et de BDS et d'appui au peuple palestinien, c'est que normalement, quand on a de l'opposition, les amis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui commence à bien fonctionner. Et si on a de l'opposition au Royaume-Uni, en France et au Canada, c'est parce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui dérange du monde et que notre voix se fait entendre de plus en plus. Alors, je vous encourage à continuer et vive la Palestine libre. Merci. Oui.